Bonjour tout le monde. Alors, ça y est, je suis dans mes cartes de fin d'année, de fête de fin d'année. Je ne vais pas dire ni Noël ni Nouvel An parce que cette année, je ne me suis pas décidée sur un thème bien précis. Mais bon, j'ai fait en sorte que, je fais en sorte que ça peut convenir aux deux. Noël ne m'inspirant pas trop cette année. Donc, je vais vous faire voir un peu que je vais faire. Ce sera du main levée, bien que je quand même commence à préparer quelques trucs. Alors j'avais de l'année dernière, j'avais ce bloc action là, celui-là, et cette année j'avais trouvé donc celui-ci. Je voulais pas en acheter trop vu que je suis pas trop sur le thème, et mais alors là je serais incapable de vous dire, j'avais trouvé celui-ci mais je n'ai plus la couverture. Donc, n'ayant plus la couverture, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'était. Je ne l'ai plus, je ne la trouve pas, la couverture. Donc, je ne peux vraiment pas vous dire... Enfin, bref, je l'avais pris parce qu'il y avait pas mal dedans d'animaux. Voilà, il y avait beaucoup, beaucoup d'animaux. Et du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant. Puisque je voulais faire surtout des cartes un peu animaliers. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, j'en ai fait quelques-unes que je vous montrerai après. Donc je les ai dépouillés, hein. dépouillés, parce que je ne voulais pas prendre page par page. Je voulais mélanger le tout. Donc j'ai dépouillé les deux. Ça, c'est de là et l'autre. Alors, ici, j'étais partie sur un thème, un thème un peu voilà, sur les cerfs, tout ça, les brebis. Les brebis. Les brebis. Non, pas les brebis. Sur les bambis. Chevreuil, brambi, biche, voilà. On n'a pas de biche, c'est des chevreuils. Donc, le chevreuil et la chevrette, comme on dit. Et donc, j'avais pris, donc j'ai fait des fonds comme ça, blancs, dans les grands, vous savez, les cahiers qu'on achète, là, qui a du noir, marron et cela, donc. J'ai pris donc les petites, toutes les petites, je les ai découpées, je les ai enlevées, tous les petits comme ça de... qu'il y avait dans ces petits blocs, hein. J'ai tout enlevé, j'ai tout récupéré, voilà. Et je me suis pris, j'avais trouvé ça sur mon action il y a deux, ça doit faire un moment. Oh oui, certainement. Et du coup, je vais mater. Voilà, je me suis déjà avancé. D'ailleurs, je suis à court de collant. Je vais devoir aller en chercher parce que j'en ai plus. Donc voilà, tout ça pour dire ça. Donc déjà ça je vais le mettre au fond puisque ça ira au fond. Hop. Ça au moins ce sera fait. Je me suis complètement défoncé sur comment dire. Hop, je mesure à peu près sur le double face pour une autre création que vous verrez plus tard sans doute. Qui n'a aucun rapport avec Noël ni Nouvel An, mais que je voulais faire pour moi-même. Je me suis fait quelque chose pour moi-même. C'est pas beau ça? Hop, allez, j'enlève. Voilà, moi mon matin, je le fais comme ça. Voilà, ça ce sera le fond de mes cartes, puisque le reste viendra dessus comme ceci. Ça vous connaissez. Alors, ce que j'ai décidé par contre, étant donné que le fond est neutre, j'avais mis ça dessus, mais je trouvais que... Alors, c'est bien, hein, je ne dis pas que c'est pas bien. Hein. La lune, d'ailleurs, j'aurais dû la retailler, peut-être. Voilà, je voulais faire un genre comme ceci. Vous voyez, tout simple, hein, en fait. Hein, tout simple, tout simple. Mettre celui-ci, on peut le mettre là, par exemple. Hein. Hop. Là, je vais peut-être retailler un peu la lune, parce que je trouve qu'elle est un peu grosse. On peut mélanger hein, deux sapins. Hein, un sapin et puis un autre. Voilà, hop. Et je trouvais que bah après bah, ça fait assez, ça fait carte. Donc ce que je vais faire, je vais prendre, je vais attraper un, je vais avoir ça là sous la main. Entendez, ici, voilà. Celui dont je me sers le plus. Alors cherchez pas les pochettes que vous avez fait moi-même. Et je voudrais retailler la lune qui me semble quand même un peu grosse. La retailler un petit peu. La faire un petit peu plus petite. Je vous mets sur pause 2 minutes parce que j'ai fait tomber un ail. Alors oui, quand vous faites tomber des tout petits ail comme ça,
Vaut mieux chercher après de suite. Ah, mais c'est pas possible. Ils ont juré de me... de m'embêter aujourd'hui, les dailles. Alors, j'ai ou celle-ci, des lunes, ou j'ai encore celle-ci. J'en ai deux autres, là. Donc, celle-ci est plus grande, celle-ci. Si je faisais comme ça, ça serait déjà peut-être plus raisonnable. Du coup, on va prendre la petite machine. Voilà, tout se casse la figure. C'est surchargé. Mon mari est venu tout à l'heure, il m'a dit je vais te refaire des étagères. Ah, oh, youpi. Allez, hop. Là. Voilà, on se refait une petite lune dans une grande lune. Et je trouve que ça ira super bien. Ça tient là, hein. Là, ça tient bien. Voilà, je mets tout de suite dedans, comme ça on ne perd pas. Donc voilà, c'est vrai que la lune là, du coup, elle me plaît un peu mieux. Alors, j'aurais voulu faire un peu de fond, et pour cela, je voudrais faire un truc. Je sais pas si je vais y arriver. Un peu de bleu, je vais prendre du comme ça. Que je vais mettre un peu ici. Alors ça, là, c'est les 40 H. Je sais jamais le dire. Je suis désolée, Nani. Un petit pinceau. Voilà. Il me faut un peu d'eau. Bon, allez, on prend de l'eau de là, de ma bouteille d'eau. Ce que j'ai pas prévu. C'est pas bien. Un chiffon, c'est bien aussi. Hop. Et on va essayer de faire un petit peu de bleu sur ma créa. Voilà, je mélange comme il faut. C'est pas du tout ce que ça va donner, hein. Mais je voulais faire un peu de, voyez, un peu de bleu comme ça dans le haut. Je trouvais que ça manquait un peu de. Alors, on a l'impression d'avoir des flocons, mais on n'a pas de bleu. Et si je le mettais directement dessus, j'ai peur que ça fasse trop. On va essayer, hein. On verra bien. On prendra un autre fond si ça va pas. Ouais, bah moi je préfère quand je le mets là. C'est mieux. Oh, mon pinceau perd ses poils. Qu'est-ce que c'est bien. C'est bien un pinceau qui perd ses poils. Un peu sur le bord. Un peu là. J'ai pas un autre pinceau que ça parce que là, franchement, il perd ses poils celui-là. Celui-ci, peut-être. Non, celui-ci. Ah, oh, des pinceaux, j'en ai, hein. Mais il n'y en a pas un qui va. Il n'y en a pas un qui me satisfait. Hein, celui-ci, peut-être. Peut-être trouvé. C'est des fois les moins chers qui sont les meilleurs. Alors, on va voir ce que ça va donner. Hein, parce que je vous disais. Alors par contre, les bords, il y a un peu de doré dessus, donc c'est un peu plus difficile à diluer. Hein, j'aime bien. Voilà. Hop. Voilà, déjà ça me plaît bien. Ça fait un petit fond comme ça. Je vais sécher hors caméra. Sinon ça va faire du bruit. Voilà, alors maintenant je voudrais mettre un peu de, je sais pas, de gris là. Je vais prendre ici un peu de gris dans ma petite comme ça, un tout petit peu de gris pâle.
léger, léger. Elles sont bien ces petits trucs de chez Action, mais je trouve qu'elles n'ont pas beaucoup de pigments. C'est pas voilà, c'est pas très très pigmenté. Alors moi j'aurais voulu retrouver justement ce qu'elle nous avait fait voir Nathalie G, là, les trucs de chez Action, là, vous savez, les trucs à pigments là. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, il faudra que je retourne voir sa vidéo. Ben, je les ai pas trouvés en fait. Alors, voilà, donc comme ça, hop, c'est très bien. Ensuite, ce que je voulais faire, attends, c'est chiant. Donc déjà, ça nous donne un ciel bleu. Je suis en train de voir. J'aurais bien fait, mais est-ce que je vais y arriver? Quelques fausses montagnes, on va dire. Ça me faudrait du marron, par exemple. J'ai celui-ci. Alors, moi, je suis pas très bonne en dessin, mais... Vous voyez les choses dans ce genre-là, quoi. On dirait au loin un peu de... Oui. De montagne, quoi. Bon, je m'embarque dans un truc que franchement je sais pas trop où je vais. C'est hop. Voilà, je vais faire comme ça. Ouais, ça plaît ou ça plaît pas. Hein. Alors, ah, franchement, j'en ai pas grand chose à faire. Moi, du moins, ça me plaît, c'est le principal. C'est la rébellion sur les chaînes en ce moment. Mais bon, voilà. Je vous ai dit, hein. Je suis pas dessin, moi, main levée comme ça, comme certaines que j'admire d'ailleurs, parce qu'elles font des trucs super, super jolis. C'est super beau, c'est formidable, j'aime beaucoup. Je ne cite personne, mais il y en a qui sont très, très doués. Moi, je suis pas. Hein. Je vous le dis carrément, je suis pas douée. Je suis pas douée. Ah, chacun son truc. Voilà, c'est bon, ça ira. Après, je trouve que si c'est trop régulier, c'est pas bien, donc voilà, ça ira. Allez, hop, toc, on va remettre un tout petit peu de bleu. J'ai vu ça, il y a un truc qui me choque. Je vais prendre celui-ci, tiens, là. Quand même pour que ça rejoigne un petit peu le ciel, on va dire. Mon Dieu, c'est affreux ce que je suis en train de faire, c'est affreux. J'aurais dû m'en tenir aux cartes que j'ai fait précédemment. Voilà, ça aurait peut-être été mieux. C'est pas grave, je voulais simplement faire un petit peu de patouille. Pas de patouille, mais de peinture. Donc, on va sécher. Allez, je vous reprends. Voilà, ça me donne ça. Petite montagne. Je vais le coller directement dessus. En espérant que c'est sec quand même. Donc, hop. C'est pas une bien longue vidéo. Hein. Je vous l'accorde, mais bon, voilà. On va essayer d'ajuster ça correctement.
si c'est possible. Il y en aura plus en bas qu'en haut, mais c'est pas grave. Allez. Alors, je vais laisser le banc en blanc comme ça, après tout, pourquoi pas. La petite colle, celle-ci, qui va super bien. Merci à Nathalie de nous avoir fait connaître ça. Donc la lune, on va la mettre comme ça. Ça fait gros, hein. Mais c'est pas grave. Voilà. Ça va être une carte un peu foirée, je vais dire. Alors, on va mettre le sapin ici. Alors ça, je ne le mets pas en 3D. Je le colle comme si c'était un fond, hein. Pareil. Hop. Le sapinou. Et là, faut que je vois un peu où je vais le mettre, parce que comme je vais mettre ma petite bichette là, on va le mettre comme ça. J'y vais un peu sur la lune. Mais je ferai sûrement des cartes autres que sur les animaux. Je sais pas encore. Je vais voir. Faut que je m'exerce un peu. Alors, j'ai quand même encore du double face en épaisseur, chose que je n'ai plus. Hélas, tiens, je vais mettre un peu de noir là, pour faire un peu d'ombre. Je n'ai plus le double face normal. Donc cet après-midi, on est quoi? On est le 19. 19 novembre. Donc quand vous verrez cette vidéo, ben, j'aurai été. Hein. Je vais faire un petit tour chez Action. Il me faut quelques petits trucs. Pas forcément en scrap, à part le collant. J'espère que je vais en trouver d'ailleurs. Moi j'ai vu les nouveaux dies sur une chaîne rond, là j'aime pas. Chacun son truc. Hein. Je les ai pas trouvé super beau. Alors bon, après. Hein. Voilà, on va un petit peu d'ombre. On le voit un peu mieux. Et du coup, je vais faire ma petite biche. En fait, on ne sait pas si c'est une biche ou un fan. On va dire que c'est une biche. Hop. Je regarde en même temps si ma vidéo elle tourne, parce que j'ai été attrapée l'autre jour. Ma vidéo ne tournait pas. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Voilà, allez, on va prendre le ciseau qui coupe pas, c'est-à-dire celui-ci. Alors ça, c'est une horreur. Moi, j'ai acheté ça, j'ai payé ça, quoi. Et je pensais vraiment, mais c'est de la merde. Je suis désolée, hein, je sais même pas quelle marque c'est, parce qu'il n'y a pas de nom dessus. Et j'aime pas. Ça va pas. C'est pas ça. Alors je ne vais pas certainement pas, je pense pas mettre des sentiments de Noël nouvel an comme je vous le disais, hein, c'est des cartes. Oh là là, regardez, vous voyez quand je vous dis que ça va pas, c'est une horreur. Voilà, c'est tout simplement une horreur. On sait pas, on sait pas couper, ça colle dessus. C'est censé être des ciseaux pour le collant justement, mais ça coupe rien du tout. C'est pas alors qu'est-ce que je vais prendre pour couper ce collant? Attendez, je reviens du après.
Donc, on ne va pas s'embêter. On va prendre les petits comme ça. Que je vais mettre par-ci par-là. Pour les petites pattes. Ça, c'est des tout petits que j'avais trouvé chez Nose. Il me semble que c'est Nose. Par contre, c'est dommage qu'ils ne sont pas blancs. Ils sont noirs. Voilà. C'est des noirs. Ouais, ben, c'est des noirs. Hein. Hop. Allez, on perd plus de temps à tirer les collants qu'à poser les trucs. Voilà. Là, j'en mettrai bien un, mais je sais pas si ça va passer. La pâte est un peu petite, hein, quand même. Voilà. C'est juste pour pas que ça s'arrache. Quand on ouvre l'enveloppe, ce serait dommage. Voilà. Ça, c'est dommage parce que ils ont fait ça. Et à chaque fois, vous dévissez pour prendre l'autre morceau. Faudrait presque en avoir deux, quoi. Mais bon. Un qui reste avec la pointe. Et moi, j'aime bien celui-ci. Que j'ai trouvé, je ne sais plus où. Peut-être nos aussi, d'ailleurs. Hein. Alors, on va mettre notre petite bichette. Notre petit cerf. Comme ça. Ah, ça colle sur les doigts. Oh, j'en ai pas mis sous les... Pas grave. Alors, bon, que fais-je avec ce collant qui ne coupe pas? Allez, celui-là, il coupe mieux. Et pourtant, ça, c'est des ciseaux de couture. Hein. Je suis vachement déçue par ces ciseaux-là. Vachement déçue. Donc... Ah mais une éternité pour enlever les morceaux de collant. Voilà. Au pied de l'arbre. Comme ceci. Voilà, je trouve que ça fait plein d'effets quand même. Bah, finalement, les petites montagnes ne sont pas si vilaines que ça. Je vais me lancer des fleurs maintenant. J'ai eu un peu de misère, c'est vrai, mais ça va. Alors, et en plus ça bouge, ça m'énerve. Donc, je disais donc, je voudrais mettre un tout petit peu de neige. Alors. Celle-ci, je ne sais plus du tout, c'est Stamperia. Pourtant, c'est des bons produits, hein, mais je ne sais pas pourquoi, elle ne veut pas sortir. Celle-ci, c'est Butinette. D'ailleurs, il est marqué dessus, et j'en suis super contente. Donc, comme quoi, il ne faut pas toujours acheter de la marque. Alors, je vais mettre un tout petit peu de neige sur les arbres, comme ça. Hop. Un petit peu. On va dire qu'il y a neigé. Voilà. Un petit peu de neige. Comme ça. Bon, c'est pas très bien découpé, mais bon. C'est les stickers. Hein. Les stickers, c'est jamais tout ça, quoi. Donc, on va suivre la branche comme ça. Hop. C'est du sticker. Voilà. Hop. Un petit peu dans le creux. Ah oui, il y a neigé. Il y a neigé. Voilà. Un petit peu dans le creux là. En plus, celle-ci, j'aime bien. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle est en 3D après. Donc je trouve ça formidable. Bon, je ne vais pas en mettre plus. Je vais me retirer un tout petit peu là peut-être. Ou l'étaler même. Un petit peu l'étaler comme ça. Hop. C'est pas mal non plus. Voilà. Je vais pas mettre par terre. Ce que je vais faire, je vais mettre là en dessous. Parce que j'ai peur que ça ne tient pas. Alors, ici, ça devrait passer. Ouais, comme ça, il va tenir. Parce que ça, j'ai peur quand même.
J'ai un peu peur. Allez, on va mettre un là aussi. On va le faire glisser par en dessous. Bien appuyer. Ah, c'est pas possible. Voilà. C'est possible. Bon, ben voilà. J'ai fait une petite carte avec vous. J'en ai encore pas mal à faire. Je vais vous faire voir celle que j'ai fait aussi également. Alors, ici, le bouchon est mis. Il faut bien regarder que le bouchon soit mis partout quand même. Alors, bah, vous me direz simplement ce que vous en pensez. C'est une carte toute simple. Au départ, je la trouvais un peu ratée, mais finalement, je crois que je me suis rattrapée. Voilà. Je vous la présente comme ceci. Bon, je la trouve assez jolie. Déjà, c'est pas mal quand on trouve quelque chose assez joli nous-mêmes. Mais bon, je la trouve pas mal du tout finalement. Voilà. Donc ça, c'est celle que je vous présente aujourd'hui. J'en ai fait d'autres. Je vais vous les faire voir. Elles sont toutes simples. Hein. J'ai juste détouré les papiers en faisant des choses dessus. Donc ici, vous voyez, j'ai détouré le papier. J'ai pris les petits lapins. Il y avait des petits lapins. Là, j'ai fait un trou dans le cadre pour garder le fond du papier du dessous. Là, j'ai rajouté un petit sapin et puis ça nous donne ceci. Et là, j'ai pris le sentiment, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, pour mettre dessus. Voilà, comme ça, vous savez tout. Ensuite, ben celle-ci, je l'ai laissée comme ça, dans son intégralité, parce que je trouvais que le fond était joli. Les sapins, je n'aimais pas trop, donc j'en ai fait moi-même. Avec la méthode justement de Nathalie, là vous savez, les trucs que ben, en fait on achète et puis on ne sait pas à quoi ça sert, ou on ne sait pas s'en servir, ou ils vont pas. J'ai rajouté un petit ourson et un petit sentiment. Voilà, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. Je vous dis tout. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc là, pareil, hein, j'ai pris un fond de carte. Je n'ai rajouté dessus que le tronc ici que j'avais trouvé dans un bloc, le petit fan, un petit oiseau et le fond c'est comme ceci. Bon, je trouve que c'est pas mal. Là je mettrai un sentiment pour la compléter. Là je sais pas si je mets un sentiment parce que je trouve qu'elle est pas vilaine cette carte. Et ici le sentiment étant déjà dessus, bah j'ai pas fait grand chose en fait. J'ai pris un fond, il y avait un petit lapin, ou c'est moi qui l'ai collé, attendez. Non, non, il était déjà. J'ai mis un peu de neige. J'ai fait un sapin dans d'autres tons, un ton plus vert clair. Toujours avec les ameldotes. Là, je ne sais pas qu'on peut faire des ameldotes, mais que ça ne va pas. Donc, j'ai fait des fonds. D'ailleurs, j'en ai un là. Regardez, je vais vous faire voir. Hop, là-dedans. Je ne sais pas si vous avez bien voir la couleur. C'est une couleur vert. J'ai vert. Voilà. Donc, j'ai fait la même chose pour cela. Hein. Et donc, ça nous donne ceci. Ça nous fait une petite carte toute simple. Donc, voilà, je suis dans les cartes. Je vous le montre comme ça. Là, j'en ai encore une, deux, trois, quatre pour l'instant à faire. Hop, j'ai eu un petit pingouin. Je ne sais pas d'où il sort, celui-là, de là. Donc, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Bah, finalement, là, celle-ci, je la trouve pas mal du tout. Finalement, il faut oser. Moi, j'ai osé. J'ai osé faire... je ne sais pas dessiner, mais je voulais faire quelque chose qui ressemble à un dessin. Vous me direz vraiment ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal. Voilà. La lune peut-être qui manque un peu de... bah, en fait c'est l'hiver, hein. Donc la lune elle est blanche. Hein. Voilà les cartes en question. Je me débarrasse de ces petits blocs, je me débarrasse des... je ne vois pas là ce truc. Là vous savez, c'est, mais je croyais que c'était des différentes, en fait c'est tout des mêmes. Donc eh ben, j'en profite pour mettre en dessous des cartes et puis voilà. Et puis c'est tout. Voilà, bah, sur ce je vais vous laisser, je vais vous dire à très vite pour de nouvelles aventures. J'ai un peu de mal en ce moment à scraper. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à... je sais pas si, c'est pas que j'arrive pas à m'organiser, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. J'arrive pas à me poser. On va dire ça comme ça. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Un petit pouce. J'allais faire ça. Non, faites pas ça.
un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Bye bye.